However, as the pandemic continues to linger with the outbreak of new variants, concerns over the debt repayment capacity of the household sector persist. C'est pas moi qui peux dire ça, c'est le gouverneur de la Banque de Maurice qui peut dire ça. Ça veut dire que ça, le repayment capacity, la capacité de votre ménage pour repayer vos dettes, c'est un risque qu'il a, qui est présent. Mais il n'y a aucune indication dans ce rapport-là qui s'attend à ça pour changer. Ça veut dire le poids de la dette des ménages dans le système financier mauricien, c'est une bombe à retardement. Donc, si le gouvernement sérieux, la proposition qu'il nous peut faire aujourd'hui, c'est qu'à partir de ce mois-là, il commence compte TVA, l'eau sur FOB value, c'est-à-dire free on board, et ainsi, il n'y a pas perdu non rien, mais les consommateurs pour capables de respirer en partie. Ce qui peut arriver aujourd'hui, augmentation non-stop, qui peut affecter tout le monde, c'est pas un choix. Le gouvernement qui connaît qui peut arriver. Quand je fais un certain choix, pas de vin pas hasard, pas si ça a un coût de fret qui n'a augmenté, pas si ce fret, il y a beaucoup de choses qui lient la politique monétaire Banque de Maurice. Là, nous peut-on dire qu'il faut bientôt pour augmenter le taux d'intérêt des autres camarades pour cause de l'eau là. Fret, pétrole, l'effet cascade, ripple effect, comment nous dire? Question qui nous pose, nous, est-ce qu'il y a un plan délibéré de sa gouvernement-là pour asphyxier les personnes âgées financièrement, pour asphyxier les petites et moyennes entreprises financièrement et pour asphyxier les gens à revenus faibles et vulnérables volontairement? Aujourd'hui, nous trouvons, après quelques mois, la reprise du COVID, les compagnies bénéficiaires, certaines compagnies bénéficiaires du MIC, peut commencer à faire pour 476 millions de profits en quelques mois. Et pourtant, c'est la même compagnie qui n'a tapé la porte du gouvernement pour autre secours et qui gouvernement ne décaisse pas un million pour aider, mais n'en est pas de faire pour les petites et moyennes entreprises pour sauver sa banque. Ma famille bizarre fait beaucoup de sacrifices pour joindre des bouts. Et ce qui est terrible, c'est que pour se joindre à cette déboute-là, ils ont besoin de faire un sacrifice au niveau de la nourriture. D'accord, souliers, ils ont passé tous les jours, ni l'aise, mais au niveau de la nourriture. Donc, ils peuvent manger mal. Ils peuvent manger des affaires qui n'ont pas besoin, man junk food. Quitte dans le pays, combien de terrains abandonnés, non? Pas tu capable de nous autres ça, pas tu capable de nettoyer les, pas tu capable de nous autres pour faire des légumes. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, ils ont fait ça. Ils ont nourri eux-mêmes et ils ont vendu.